like I've been running in place. Toes on the gas, no brakes. Bullshit calling, I'm ignoring. Been that nigga, they been snoring. Taking risks, I got a lot at stake. I don't see no need to play it safe. Bullshit calling, I'm ignoring. Been that nigga, they been snoring. Sur les 6 matchs de préparation, il y a des choses qui sortent, hein, sur les chiffres, mais qui sont intéressantes à observer, et donc vous les faire partager, et puis qu'on puisse ensemble se projeter et avancer vers cette compétition le mieux possible. Dans les actes de progression, donc, vous voyez les 3 derniers matchs en particulier, donc 2 étaient officiels, République tchèque et Bosnie, Belgique avant. On a pris 26 points dans le premier quart-temps. Quand tu vois que notre moyenne derrière, c'est-à-dire qu'on en a pris presque 40% dans le premier quart-temps. Donc ça veut dire que là, on a vraiment un souci dont il faut parler. Voilà, il faut qu'ensemble, on arrive à résoudre. Alors c'est constitution du sein, ça joue bien tout, mais je pense que c'est surtout comment est-ce qu'on aborde le match. Ça peut se faire qu'entre vous, parce que moi je peux essayer de vous motiver, mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Donc il faut, les 5 mecs qui rentrent, voilà, c'est savoir ce quoi vous avez besoin pour rentrer le pied au plancher. Qu'est-ce qui se passe avant qu'on le fasse? Parce que c'est pas comme si on le faisait jamais. Et vous nous avez vu rentrer au retour de la République tchèque, à la mi-temps, on les a étouffés pendant 10 minutes. Ils ont marqué, je sais plus combien, 6 points dans tout le quart-temps, mais ils n'avaient pas de position. De quoi vous avez besoin pour le faire dès le début? On doit se faire la promesse, on ne peut plus démarrer comme on démarre. C'est dans notre approche collective pour démarrer les matchs. Parce que le problème numéro 1, c'est ça, c'est 26 points. Plus jamais ils font ça après. Ils font plus ça au deuxième quart-temps, plus au troisième, plus au quatrième. I want to know. I want to know. Vorrei sapere, vorrei sapere come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi in scatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. De voilà, prendre mes repères sur le terrain avec les paniers, la salle et de commencer, hein, parce que voilà, c'est une grande compétition et il me tarde de partager ça avec le groupe. Merci beaucoup. Merci. C'est dingue ça. Pardon. Il a changé, Nico. Moi, c'est premier CE vraiment avec l'équipe A, donc forcément beaucoup d'excitation. Après, c'est de voir la compétition, le challenge, comment ça va se passer. Je sais que ça va être intense. Je pense que tout le monde est déterminé à faire quelque chose ici. Voilà, il me tarde. Premier match en plus contre l'Allemagne à domicile, ce sera plein. Donc ça va être intense, ça va être intéressant. Ça va nous mettre dedans directement le premier match, c'est sûr. Faut qu'on soit prêt, parce que je pense que ça va être un gros match. Et puis, on va apprendre de ce match-là, quoi. Ça ne sera pas déterminant forcément pour la suite, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on commence fort. Un euro est beaucoup plus compliqué. Les équipes sont beaucoup plus denses. On a un groupe très dur, surtout nous. Commencer contre l'Allemagne, je trouve ça bien. Comme ça, on pourra jauger de notre niveau et on pourra s'évaluer surtout. Et surtout, commencer dans le dur, ça nous met direct dans le régime de l'euro. Et on veut être, donc on va jouer tout le monde, on veut battre tout le monde, donc pourquoi pas commencer plutôt contre des grosses équipes. On peut pas rêver mieux comme premier match. C'est une équipe qui est une des favorites pour l'euro, donc ils sont à la maison devant leurs fans. Je pense que l'ambiance va être cool. Bonne passe. Quand tout à l'heure on parlait de faire des systèmes longs,
Genre on peut faire des systèmes longs même sur des systèmes courts, mais genre on va être obligé de passer par vous les gars, ouais. Tu vois. Et bah c'est comme les derniers matchs, genre ils vont grave vous mettre la pression, ils vont essayer de vous faire partir de dribble, etc. Genre on a besoin que vous soyez patient. C'est mieux de faire un truc simple, fondamental, et genre qui nous fait gagner du temps plutôt que de chercher le truc un peu relou, tu vois. Et après il y aura des turnovers, tout ça, et après on perd du rythme. Ouais. Parce que là, genre sur plein de situations, genre on cherche trop, on cherche trop. Truc simple, c'est pas grave. Si on perd 5 secondes, au pire, c'est bon, c'est pas grave. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on va passer par vous, c'est sûr. Bleu blanc rouge. Rose. Donc le roster des Allemands, donc Schröder, on vous en a énormément parlé. Donc lisez un petit peu les caractéristiques. Bien sûr, très fort sur la main droite. Défend tout terrain. La seule chose, c'est que généralement, il met la pression sur la défense tout terrain. Il a tendance à se relâcher un peu après. Donc, Wagner, joueur complet et athlétique. Drive en priorité main droite, ce qui ne s'interdit pas non plus de pouvoir driver éventuellement un peu main gauche. Très bon sur les curls, bon shooter, capable de poster sur les mismatchs. En difficulté défensivement sur les joueurs un petit peu plus rapides. Début de compétition, c'est toujours un moment spécial, particulier. Et c'est important de ne pas le rater. Mais pas le rater, ça ne veut pas dire absolument gagner. D'accord ? Surtout, ce qu'il faut faire, c'est rentrer fort dans la compétition, mordre dedans, être nous-mêmes, et je l'espère, jouer libéré. Double rouge ! Et ouais, un match d'ouverture de championnat d'Europe, c'est forcément particulier face au pays organisateur, l'Allemagne. Bien joué, quelle belle finition de Kershon. Daniel Tess qui permet à la Mannschaft de passer devant à Cologne. Il a pris le meilleur, il a débordé Mattenbaï de Schröder. Bien sûr, le petit step back là après avoir posé la balle au sol. Ouais, panier plus la faute, voilà. Ouais, il est passé en dessous de l'écran. Bien sûr, il sanctionne la défense de Schröder. Avec la réussite Schröder, plus 7, 38, 31 en faveur de l'Allemagne face à l'équipe de France. Dans cette première mi-temps de ce match d'ouverture. Tout le monde a tenté un truc impossible qui provoque une perte de balle. On ne peut pas gagner ce type de match si on rend 11 fois la balle. Ils en ont perdu 5. Eux, ils en perdent 5 et nous, on en perd 11. Donc là, il y a une discipline individuelle. C'est pas collectif. C'est une discipline individuelle. Chaque fois qu'on perd la balle, on les aide. Le contre, ouais, il l'a pas vu arriver, hein. Gershon a poussé les dans le dos. On a vu qu'en première mi-temps, là, sur les drives, ils avaient du mal. Et voilà, bien, mon grand. Qui se barre là. Qui sert Schröder. La salle est prête à exploser. Belle passe. Seul. Ah, il s'amuse. Ouais, il s'amuse. Qui repousse peut-être de manière définitive l'équipe de France là sur. Et ça sera une défaite de 13 points, 76-63. L'équipe de France qui s'incline dans ce match d'ouverture de l'Euro 2022 à Cologne face à l'hôte allemand. L'équipe de France quand même largement dominée. Il y a eu quelques flamboyances, mais la Mannschaft était trop forte ce soir devant ses 19 000 supporters. Il faut apprendre et vite. Voilà. Très clairement, on est une équipe en construction qui manque singulièrement de maturité. Donc il faut avoir de l'humilité. Garder l'ambition. D'accord ? C'est un premier match. Championnat d'Europe, ça ne se joue pas au premier match.
C'est pas la défaite qui, moi, me pose problème. C'est les ingrédients de la défaite. Voilà. Et ça, il faut les changer rapidement. Et donc, je reviens au dernier carton. Malgré l'arbitrage permissif, zéro faute avant la faute offensive de Rudy à la 9e minute du carton. Le panier à 3 points qui nous crucifie de Jiffy, parce que Gershon va un peu trop aider, il a fait 4 dribbles, Votman, Terry. T'avais combien de fautes? Zéro. Merci. Donc ça, si les gars, si vous ne savez pas ça, je ne vais pas pouvoir vous l'apprendre en une semaine. Hein. Tout le monde doit regarder le tableau. Tout le monde doit être informé. Vous préférez faire le dé d'un contrôlé que de redonner la balle et d'avoir une chance de redéfendre? Mais c'est de la concentration. Et là, on était déterminés, volontaires. Je le vois. Tous les joueurs avaient envie. C'est pas ce problème-là. Mais le problème, c'est où on place l'attention. Les petits détails, ils nous crucifient à ce niveau-là. Faisons déjà ce qu'on veut faire mieux. Voilà. Responsabilisons-nous déjà sur les choses simples. Et si tout le monde fait ça, on va rebondir. Allez, let's go. Le blanc rouge, France. Chaque fois que vous pensez quelque chose, vous avez un peu raison, mais pas totalement non plus, comme moi d'ailleurs. Simplement, il faut quelqu'un qui donne la ligne. C'est pas que ça, c'est créer les conditions. Et pour les créer, c'est donner de l'importance à tous les petits détails. Allez, Yetouba. Le supporter lituanien qui donne de la voix. Pas de plus, là, comme ça, c'est dur. Ouais, ça fait mal, ça d'entrée. Démoniaque au shoot. Faire entrer sur le parquet. Voilà. Ça c'est bien le spin move. Défendre avec les jambes. Voilà, très bonne défensive d'Andrew qui va relancer maintenant. Et Evan à 3 points. Christelle, ouais. Voilà, c'est bien. Accélération de Vasco, la pénétration, la conclusion. Ah, très bien. Allez, faut continuer comme ça là. Ah, le panier est accordé. Bien sûr, bien Andrew, mais bien sûr, ils font l'impasse sur toi. Go. Tous ceux qui sont rentrés ont apporté du banc, une énergie supplémentaire, et on a pu maintenir. Et là, ils ont tenu parce qu'ils étaient en confiance, une forte équipe, mais on a pris l'ascendant quand même. Voilà, on était à moins 12 ou moins 13, on est revenu à un point. Hein. Là, on est dans la bonne manière, il ne faut pas en changer. Hein, il faut repartir tout de suite, pas attentiste. On rentre dedans dès le début. Let's go. Il a poussé les passes à Savonis, ça rentre. Dur ce tir pour le Dancing Bear, l'ours dansant. Le petit Mahama maintenant avec Evan, on perd le rythme là. Et la conclusion, cause to cause de Rocasier. Et bien fait, exactement. Il faut rester concentré. Bien maintenant, offensive de Vincent Poirier. Bien maintenant, voilà, ça c'est bien. Oh, en hauteur, le poisson. Allez, mon grand. Allez, Thierry Tarpey. Impeccable, ça c'est bien pour Thierry. Allez, mon petit. Et pour faire du stop maintenant, les arbitres qui ne sifflent pas, droit ouvert, il va le prendre. Regardez. Et voilà. Et maintenant.
va prendre ce shoot, ça se rentre par derrière. Allez, balle dans la clôture, Rudy Gobert. Et l'équipe de France qui remporte son deuxième match après une défaite inquiétante face aux Allemands. L'équipe de France qui rétablit l'équilibre avec la manière, s'il vous plaît, en battant la Lituanie de 4 points. 77-73, on retiendra évidemment les 27 points de Evan Fournier, mais tout le monde, quasiment tout le monde, a contribué à ce magnifique succès, Christophe. Et l'équipe de France est à nouveau sur les bons rails. C'était un match comme un match de play-off, avec beaucoup d'intensité. On n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin. Et dans les dernières minutes, on est passé devant avec la bonne attitude et on a gagné le match. Le plus important ce soir, c'est que j'ai l'impression qu'on a commencé notre championnat d'Europe et que surtout on a trouvé le mode d'emploi pour devenir une grande équipe, ce qui n'était pas le cas pour l'instant. Et pour ça, il y a des éléments qui sont marquants. Thomas Hortel, il a joué 3 minutes en première mi-temps. Normalement, on peut considérer que c'est un titulaire de notre équipe. On est bien d'accord. Il a joué 3 minutes et ce soir, je pense que c'était justifié. Parce qu'il n'était pas très bien au départ. Et quand Andrew est rentré, le match a commencé à changer. Par contre, d'une part, moi, je ne perds pas confiance en lui. Et lui, il aurait pu, et il l'aurait certainement fait il y a quelques années en arrière, fait la gueule en deuxième mi-temps. Là, il a joué. Il a joué et il nous a porté. Il nous a même mis le panier qui a fait basculer le match. Et ça fait partie des choses qui font une grande équipe. Bon, je ne parle pas de Terry qui continue. Et on va l'encourager, vous le faites tous sur le banc, c'est magnifique. Ce qui est important, c'est que derrière, quand il est sorti, Tim a fait la même chose. Les deux fois il est rentré, il a commencé par mettre un panier important et il a défendu. On a besoin de tout le monde, tous ceux qui vont rentrer. Et je ne pourrais pas mettre tout le monde en lumière. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. Il faut que tout le monde comprenne son rôle. On a besoin de remplaçants. On est tous reconnaissants. Evan, qui a mis qu'en met 30 ce soir et qu'on a retrouvé parce qu'on a mieux joué pour lui, qu'on l'a mis en situation, il est reconnaissant du mec qui vient 5 minutes et qui donne son cul pour l'équipe, parce qu'on en a besoin. On ne peut pas être champion autrement que comme ça. Donc pour l'instant, c'est la première fois où on voit des prémices, mais il faut plus encore, il faut s'en persuader. Demain, on confirme contre la Hongrie. La Bosnie, on s'occupe pas classement et tout ça. On monte les gars, on monte. Le blanc rouge France.